Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière. J'avais hâte de vous tourner, et oui. Avec Laure, on a décidé de choisir les tenues de Noël de nos enfants et tout particulièrement nos filles, nos petites princesses. Et pour cela, on s'est lancé un petit défi, un peu comme les reines du shopping. On avait un budget de 50 euros. Je devais choisir la tenue de Lily Rose et Laure, bien naturellement, devait choisir la tenue de Kelissy. Donc pour cela, on a mis un peu des conditions, c'est-à-dire que je me suis dit, on va peut-être écrire les couleurs que j'aime pas, etc. Si je me retrouve avec une tenue que j'aime pas pour Noël, ça serait un peu ballot, voilà. Donc j'ai fait un petit post-it où j'ai écrit tout simplement la taille de Kelissy, 18 mois, etc. Les couleurs que je ne voulais surtout pas retrouver dans la tenue, histoire de pas être déçue. Bah oui. Même si je fais un petit peu confiance à ma meilleure amie. Oui, j'ai bien mis un petit peu confiance parce que Laure et moi, nous n'avons pas les mêmes goûts. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. J'ai fait genre un petit mini vlog, donc je vous laisse avec. C'est parti. Bon, le premier magasin que je fais, c'est Tape à l'œil. Voilà, donc moi j'ai un peu triché, voyez-vous, j'ai regardé. Je pense avoir trouvé la tenue. Voilà, je vous la montre vite fait. Je pense que ça va lui plaire. J'ai choisi des couleurs pastel, tout ça. Par contre, j'ai pas pris le gilet. J'ai fait l'astuce de mettre un pull en dessous de la robe. Je trouve ça plus joli. On verra plus la robe. Et je trouvais des petites barrettes comme ça. Oui. Bon, et bien les amis, on a fini notre petit shopping en mode reine du shopping pour les bébés d'amour pour Noël. Donc là, on va se remettre la remise des paquets. Voilà. Mais il y a une différence sur le paquet d'île. Le mien, il est plus beau. Voilà le paquet de l'or. La jolie surprise est à l'intérieur. Déjà, juste la boîte, le nom, Tape à l'œil, me plaît. J'adore leur collection de Noël. Donc vraiment, déjà, je suis super contente que leur ait trouvé ma tenue chez Tape à l'œil. Après, je ne sais pas s'il y a 100% du Tape à l'œil dedans. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Je suis surexcitée, on dirait une gamine. Alors, à savoir qu'à la base, je devais tourner la vidéo genre une journée après qu'on ait fait ce petit shopping ensemble. J'ai tellement été surexcitée que je me suis vite coiffée, j'ai vite mis du rouge à lèvres. Et là, on est à la sieste de Kelissy, donc voilà. Donc c'est parti. Qu'y a-t-il dedans? Bon, j'espère déjà qu'elle a respecté le code couleur. On a fait un petit code couleur. Entre guillemets, moi je voulais des choses vraiment couleurs douces, festives, des paillettes, tout ça, etc. J'avais mis une petite liste que j'avais préparée avant alors en lui disant tu ne mets pas d'orange, de violet, de vert ou je ne sais quoi. Donc c'est parti. Attention, j'ouvre. Je regarde pas, je vous regarde vous, comme ça moi je vois pas tout de suite. Oh, c'est trop beau! Oh non, j'adore. Non, mais alors ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, les gars. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est des ailes d'ange. C'est magnifique. Mon petit bébé d'amour va être un petit ange pour Noël. Voilà, vous avez des petites bretelles là derrière. Alors ça, si c'est pas trop cute, j'ai limite envie de lui piquer, quoi, pour les mettre sur moi. C'est canon. Suivant. On va aller à l'essentiel. La robe. Oh, je suis trop contente. Déjà, c'est dans les couleurs de blanc. Et c'est juste trop beau. C'est en tulle, c'est pailleté. Regardez-moi ça. C'est trop canon. Donc là, on m'a pris les vêtements en taille 2 ans. Donc ça ira bien, Kelissy. C'est canon. Regardez. C'est trop beau. Je vous montre les petits détails. Ça brille. Et moi, quand ça brille, ça me plaît. Et oui. Oh là là, mais alors ça, plus les ailes, je vais essayer de vous mettre les ailes derrière pour que vous ayez un peu une idée. De toute manière, je vous montrerai Kelissy avec la tenue par la suite. Alors attention, j'essaye de faire une première impression avec les ailes. Alors devant, ça ferait comme ça avec les petites ailes. Et derrière, le rendu est comme ça avec la robe. Oh là 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 là, ça va être hyper 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 canon. Ouh là là, alors je suis vraiment très très contente. Très très bon choix. Comme quoi on n'est pas meilleure amie pour rien. Hein, on connaît les goûts de chacune. Ça c'est top. Suivant. Trop bien. Je suis trop contente, c'est trop beau. Laure avait un peu peur, elle m'a dit oui, tu verras, j'ai pris comme ça. Je me suis dit que ça allait ensemble, etc. Peut-être que toi ça te plaira pas. Mais alors franchement, ça me plaît, mais juste complètement.
Voici des petits collants. Donc du coup, Laure, hein, je pense qu'elle est restée uniquement sur tape à l'œil. Je pense qu'elle a dû galérer à trouver laquelle elle allait prendre. Du coup, c'est pour ça, c'est pas casser la tête. C'est trop trop beau. Alors ça, j'adore. C'est déjà les collants que j'ai pris à Calici étant plus jeune. Donc c'est des collants en fait tout simples. Et vous savez, vous avez des petites chaussettes un peu jambières. C'est canon. Je les ai pris en 21-23. C'est juste parfait. C'est cette taille. Bravo, bravo. La tenue est au complet. Bah, je crois que j'ai encore un petit quelque chose. Ah, ça c'est bien. Pour mettre en dessous de la robe, comme ça au moins on n'a pas froid. Un petit sweat comme ça. C'est trop mignon. C'est écrit bisous et confetti. Et regardez. Alors je vais vous montrer. Peut-être comme ça, quand on secoue. Ah, vous l'avez raté. Vous voyez? Il y a des petits confettis qui tombent. C'est trop trop choupinou. Et puis dans ce sens, on pourra aussi l'utiliser en dehors de Noël. Donc bien entendu, ça on le mettra en dessous de la robe. Et bien les amis, la tenue est au complet. Impression. Agréablement surprise. J'avais peur que Laure mette des choses qui ne s'associent pas bien ou quoi. Et comme moi je suis très... enfin voilà, tout doit aller avec tout, etc. Chaque détail doit être avec chaque détail. Et Laure vraiment ne s'est pas trompée. Voilà, je suis agréablement surprise. Et ça, c'est cool. Franchement, Laure, merci à toi. La tenue est juste parfaite. Par contre, je crois que tu as un peu craqué aussi sur le budget. Je pense que tu as aussi dépassé les 50 euros. Voilà, on s'est fait plaisir pour nos pépettes, nos petites princesses. Est fini. Je tiens à remercier Laure pour cette tenue magnifique. Merci ma chérie d'amour. Et merci à vous de nous soutenir au quotidien. N'hésitez pas à mettre des pouces, des petits commentaires, tout ça, sur votre avis sur ma tenue. Et également, regardez la vidéo de Laure pour voir ce que j'ai offert à Lily Rose. Et croyez-moi, elle aussi, elle va être grave, grave choupinette pour Noël. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Bye.